Allez, pour les gens de YouTube et le petit montage, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve à Deutschland. Comme vous pouvez voir, temps variable sur le circuit, j'avais pas remarqué. Merci, Jeff. On va passer en qualification. Mais avant cela, on va aller faire un petit tour vers la R&D. Voilà. Et on va recommander plutôt d'opter pour quelque chose dans ce genre-là. Une amélioration, on va faire le déjà reprendre le volet supérieur qui avait échoué la dernière fois. Bonjour le futur. Après Sauber, tu iras chez Ferrari? Je verrai. Soit je resterai chez Sauber, soit si ouais, c'est l'objectif Ferrari. J'investirai sûrement dans ce domaine. Allez, dissipation de la chaleur au niveau des jantes. Planche redistribution du bois. Du bois. Du poids, c'est mieux. Et puis voilà, donc on aura beaucoup d'upgrades. Tout arrive en Hongrie. J'espère que tout marchera. Pourquoi pas chez McLaren? Parce que si je suis parti chez une écurie qui a un fournisseur Ferrari, c'est pas pour partir chez un fournisseur qui a un... Enfin, une écurie qui a un fournisseur Renault. Ça me semble logique. Bienvenue en Allemagne sur le Chipito Engine. D'Hockenheim pour la séance de qualification. Chipito Engine. Les feux de la voie des stands vont passer au vert d'ici quelques minutes et marqueront le début de ces essais. Bah alors les spectateurs, ils ont de la pluie. Je sens que cette séance va être ils ont des parapluies. Nicolas Martin, en tout cas tous les ingrédients sont réunis. Une météo capricieuse, une piste aux conditions variables. Par contre, Ricardo, il a des cernes. À la traîne, frère. Qui rêve certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant c'est les plus des valises là, c'est et des. On se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Je sais pas. Si vous pensez que le temps va se gâter, vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour Honda supérieur au à Renault dans le jeu. Ah, d'accord. Moment. Mais si le temps s'améliore, j'aurais pas pensé. Il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. T'es en fait, McLaren, ils font des choix de merde tout le temps. Quand je change de manufacturier, Honda, ils font leur preuve. Pluie, on finit par ne plus y voir grand-chose. Ce genre de problème va être récurrent. Non, Kevin, si j'ai pris Sauber, c'est pour soit les augmenter, soit pour aller chez Ferrari. Non ! Oh, quoi que c'est pas grave, en fait. Écoute ce qu'il a dit, Jeff. Ah, j'ai pas entendu. Il a dit, bon, si tu sens une grosse chaleur du véhicule, n'hésite pas à sauter. On a un problème de refroidissement. De toute façon, on va passer le temps de réparation. Et dans 5 minutes, il me plus fine. Je pense qu'on va quand même sortir pour avoir un temps en inter. Je sais pas. Jeff au Panum tous les soirs. C'est clair. Alors, la météo, elle me dit quoi? Elle me dit 15 minutes. Dans 15 minutes, on n'a pas de pluie. Mais sauf que dans 15 minutes, la séance est finie. J'étais un peu large à la sortie. Ok, on se place juste devant Sirotkin avec ce tour. Bah, MDR. Il y a Kevin qui a dit oui, je vous. Merci Kevin. Jusqu'ici, notre meilleur tour est de 1,24,2. Bah, ça va être des qualifs en inter hein, parce qu'il y a. Non. Et comment la piste là? Ouais, il pleut toujours. Allez, choix des pneumatiques, on va en prendre d'autres et on va faire deux tours. Plus tu vas. Oh, mais écurie prêt, c'est McLaren. Ça, je l'avais compris. Putain, j'ai regardé le message. Quoi. Oh, bah, j'ai gagné du temps, ok, merci le jeu. Ça, j'avais compris, Kevin. Chacun son écurie préférée, écurie de cœur ou écurie, voilà quoi. DRS activé? Sérieusement? Charlie, t'es sérieux là? Genre, pour toi, là, c'est sec. Oh Hülkenberg est en ultra soft. Hülkenberg il est ressorti en ultra soft. J'ai juré. Non mais à quel moment? Bon, par contre si on font un meilleur tour que nous en inter, tous ceux qui vont ressortir ils vont être devant ça veut dire. Oh la grille de départ ça va être n'importe quoi.
coup, je peux pas ressortir pour mettre des pneus secs, c'est impossible, il reste 2 minutes. Bah oui. Salut Venom, bienvenue. Je suis repassé devant Leclerc. Charlie, il est bourré, mais Charlie est bourré ouf. Hülkenberg, il a... Oh putain, nique ta mère, Pépito. Hülkenberg, il a fait une 1-18. Ouais, j'ai juste surpassé, ouais. Je suis 16ème, ok, je suis mort. Je suis vraiment content. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux 3 meilleurs chronos. Hamilton, Vettel et Valtteri Bottas. Nous connaissons désormais la grille de départ. Dieu. La prochaine étape sera la course. MDR. Alors retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. A très vite. À quel moment ? Coup dur pour Jean Français. Coup dur pour Sauber FR Team. Ah non, merde. Suisse Team. Mais MDR quoi. 19 et 20 quoi. Ah oui, il faudrait que je prenne un autre rival aussi. Ce serait une bonne idée. Allez, de toute façon, choisis Hartley. Et on est parti pour la course. Kevin qui a pas compris, il a dit Van Dorn. Van Dorn n'était pas dans les choix, mais tranquille. Nico, il aurait été trop fort. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Hockenheim. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. À en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie nous d'Allemagne est gâtés. D'accord avec moi. Sauber au tableau des performances, on est juste derrière Toro Rosso. Et on est devant Williams. On est en avant-dernière position. C'est pour ça que je dis Nico, ça aurait été trop compliqué. Ils sont quand même quatrième force, si je ne me trompe pas. Et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et Kimi Raikkonen complète la première ligne. Première ligne Ferrari, MDR. Ricciardo 3, Sainz, Lewis Hamilton. En fond de grille, à cause d'une pénalité. En fond de grille, il est cinquième, mec. Bottas, Perez et Kevin Magnussen. Les deux Mercedes avec des pénalités. Et Sirotkin, Hartley, Stroll, Nico. Alors Hartley est 15. Leclerc et okay. Stoffel Van Dorn complète la grille. Et Van Dorn s'est pris une pénalité. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Tu as pas mal de temps avant le premier virage. Et rendez-vous fais attention aux voitures au dernier virage. Toi. Et rendez-vous à la fin de la course. D'éventuels accrochages tant que tu n'es pas impliqué dedans. Oui, effectivement, Jeff, parce que le premier virage va être on ne peut plus compliqué. Tu as combien d'abos? Si je l'ai caché, c'est que on s'en fout. Voilà. Donc si je l'ai caché, ça veut dire que je répondrai pas. Ah ouais, du coup, j'ai aucun setup. Bon, bah ça marche bien, du coup. C'est plus fort et réel que Toro Rosso. De quoi, Sauber? Quand elle est dans les mains de Charles Leclerc, oui. Quand elle est dans les mains de... Marcus Ericsson, non. Aucun souci technique à signaler. Oh, j'ai un petit slide, il va me faire le moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Un verre, 4. Être youtubeur de métier, non. C'est trop incertain comme métier. Ok, Stroll qui s'arrête. Bon bah arrête-toi frérot. Sirotkin aussi. Ok. Ok les gars. Alonso qui est arrêté. Ok les gars.
Vraiment, abonnez-vous à F1 2018. Fernando Alonso éliminé, bah oui, normal. Ouais, les bots, ils se sont ralentis entre eux, en fait. D'ailleurs, j'ai Vandoorne qui est derrière moi, Leclerc aussi, je sais pas où il est. Ah oui, il est dernier, d'accord. Leclerc, oui. Chez moi, il y a de l'orage et des éclairs. Ouais, moi, il y en avait à 21h quand je taffais. C'était un pur plaisir. Ok. Regarde mon live. What the fuck? T'as vu ce qu'il a fait, mon pilote? Il a failli faire. Il a failli faire un 180, gros. Allez. And we on the way. Mason have a good start from the back of the field. J'étais sûr que ça allait se passer comme ça. Ok, c'est bon. T'as quel âge? J'ai 19 ans. Il a failli aller dans le mur. Non, mais... Tu vas bien? Couple moteur. Mais à quel moment? What? Non, mais à quel moment tu fais ça, Lance, quoi? Oh non, j'en ai rien à branler, on recommence, quoi. Oh là 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 là. Non, mais à quel moment, quoi? Il était pas à mon niveau, quoi, il a pas à faire ça. Moi, je veux bien si c'est moi qui fasse une erreur, mais là. Qu'il fasse une erreur. Mais parle français un peu, s'il te plaît. T'es un con, quand même. Je parle aussi bien français. Calma. Son père a racheté Williams. Non, elle a pas racheté Williams, elle a racheté Force India. Racing Point Force India, lol. Mais vraiment? Ben oui. C'est plein de Stroll. Ben oui. Stroll va aller chez Force India l'année prochaine. Et Pepito est en discussion avec McLaren. Ça pourrait être tellement marrant, un duel Ocon-Stroll. Comment ils se feraient défoncer. Et surtout, ce qui serait bien, c'est qu'il serait enfin premier pilote, Ocon. Putain, Sirotkin, par contre, fait pas ça, j'ai juré. Attends, je me souviens pas trouvé. Pourquoi Racing Point? Je sais pas. Pourquoi Force India? Je sais pas non plus. C'est qui Pepito? C'est Perez. C'est vrai que je dis Pepito comme ça, mais je suis le seul à l'appeler comme ça, je pense. On va peut-être enlever le mode dépassement, ce serait bien. What are we doing? Racing or ping pong? Je vais finir par trouver un recul ici. J'arrive pas à suivre le groupe devant, ça me fait un peu chier, j'aurais pas le DRS. Le premier pilote chez McLaren, pas bon. Mériterait, non.
C'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, bah, du moment, c'est fin 2018. Hein. Putain, il ne veut pas trouver, putain. Il y a Leclerc qui fait honte à Sauber en étant derrière Lance. Tu joues à Fortnite? Non. Il va jouer à Fortnite. T'as pas sur Cynthia le direct avec lui? C'est Cynthia depuis qu'il est. Il y a eu des problèmes judiciaires, surtout Vijay Mallya. C'était le propriétaire de l'écurie, mais c'était pas le. On peut pas appeler ça un directeur. Rockenberg a un problème, mais je sais pas où il est. Ok, il est derrière moi donc. Van Doorn chez Sauber. Je sais pas. Mais il n'y a pas de résultat Van Doorn, vraiment. Et je sais pas quel baquet il a pour l'année prochaine en plus. Mais t'as vu la voiture qu'il a aussi? Oh, il fait pas. Il est pas très bon non plus, Vendôme. Non. Regarde. Pas il s'en sort très bien. Enfin, il s'en sort très bien. C'est pas un pilote incroyable. Kevin Henry, est-ce que tu serais belge par hasard? Ah, Magnussen au ralenti. Et là c'est vraiment un ralenti pour la peine. Je comprends pourquoi tu veux que Van Doorn... Pourquoi tu dis ça pour Van Doorn alors? Ah mais il est belge, bah oui mais il faut être objectif, Van Doorn il a pas de résultat en fait. Hülkenberg en course, c'est bien. En train de recoller un peu à Gasly, on va rentrer au stand à ce tour. J'aimerais bien que ce soit Hartley qui rentre à ce tour. Fait chier, c'est Gasly. 80. Ça fait pareil, Louis, ça fait pareil chez, chez Ferrari et Mercedes. Hein. Non. Putain. Oh putain. Quelle honte. C'est long. What a shame for the French player. Dans 3 ans, il est chez Mercedes ou Ferrari. Qui ça? 3 ans en vendant, sûrement. Ah non. Enfin, non. Dans 3 ans, il est plus en F1. En tout cas, vu les résultats pour l'instant, genre. Bah oui, c'est ça. Chaud. Oh, il y aura la boutique Fortnite. S'il vous plaît, je vous en supplie. Non, mais non. J'ai cru pouvoir espérer avoir la chance à me. Je suis fou. Le... Oh putain. Charles est au stand.
Bon allez, le clair au stand, Hartley aussi, on va voir où on va ressortir par rapport à ces deux petits monsieur là. Petit zigoto. Zigoto. Hartley derrière. Charles est derrière. Et je suis 13ème. L'objectif est toujours dans la poche. Dans la petite poche. Bon, Hartley est quand même prêt, hein, mais. Tu trouves que Ricardo est con d'aller chez Renault et de pas rester chez Red Bull? Non, il est pas con. C'est le meilleur choix qu'il puisse faire. Il aurait même dû le faire avant, je pense. Celle qu'elle était avant proche de Sénat avait une carte blanche et une première minute, maintenant un deuxième Sénat. Après, ces organisations de l'écurie, hein. Ouais, le but de l'écurie, c'est de gagner et de faire de bons résultats. Hein. J'ai les points devant moi, mais ils sont loin quand même. Merde, j'ai. Oh, je crois que j'ai mal. Je crois que j'ai pas le temps de dire. Putain, je sors large ici à chaque fois. Ok. Triple attache, what? Ces trois sacs de nez comme ça, genre, ils sont dégueulasses. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,8 secondes. Je l'ai nu à chier. Électrochauffeur, yes, meilleur. Ouais, je suis sur PC, Kevin. Je crois t'avoir déjà répondu ou c'est à quelqu'un d'autre, mais t'étais là donc. Von Dorn et Hartley qui se battent derrière, ça c'est bien. Si ça pourrait se battre devant aussi, ce serait cool. Oui, Kevin, il joue sur PC. Je crois que tu viens de lui répondre. Oui, oui, je viens juste de le répondre. Ce que je me disais. As one. Je rattrape le petit groupe de devant, c'est qui? C'est Ocon qui bloque ou. Je crois. J'ai pas le temps de voir, de toute façon, faut pas son blaze. De toute façon, Pepito est derrière, donc je pense que c'est Ocon. Ah, quoique non, Pepito est devant. Les deux Force India sont devant. Oh, le dépassement. Oh putain, mais non, c'est vrai que c'est pas large comme piste ici. Ils sont rapides. Wow. Alonso, il s'est fait défoncer sa race. Oh là là là. GP2 engine, GP2. De toute façon, les gars, faut pas se précipiter, ça sert à rien. Genre vraiment. Il faut pas que Gasly s'envole non plus.
pas apprécié ton move, Alonso, là. Pourquoi tu m'as pas laissé de place? Je l'appelle le tacos. Ouais, ça marche aussi. Aucune chez Red Bull, c'est envisageable. Bah, c'est un peu un pilote de réserve de Mercedes aussi, Ocon. Ocon chez Red Bull, c'est pas envisageable du tout. En tout cas, pas pour la saison prochaine, mais... en tout cas, s'il va chez Red Bull, ce sera pas pour longtemps. La batterie est faible. Il serait mieux de désactiver le RS pour récolter de l'énergie. Ta gueule, Jeff. Et bienvenue, Samuel. Effectivement, bienvenue, je viens de capter aussi. Et va falloir bien piloter si on veut ramener un point là. Gasloune a l'air très bon. Gasloune. Gasloune, oui. Quoique Ocon est avec Puma tout comme le boule. Oui, mais. Hamilton, il est aussi avec Puma. Ça veut rien dire, ça. Tu l'as eu jusqu'à quelle heure? Je sais pas du tout. Jusqu'à ce qu'il en ait mort. Ouais, on parle pas du joueur de foot. Oubliez ce qu'il vient de dire. Par contre, c'est bien, on a un bon premier virage. Des chevaux. Oh, je me suis et je me posais comme un aveugle. Je suis super bien sur le vol. Bon, je suis en mélange riche, hein, j'utilise pas d'essence. Hein, ça, c'est un classique des fins 2018. Jure, t'as le bug? Ouais, encore. Oh, le bâtard. Enfin, j'ai pas le bug, j'utilise pas d'essence. Mais j'ai le bug, j'utilise tellement peu d'essence que je peux me mettre en riche et j'utilise pas d'essence. Bon, par contre, le jeu vraiment freeze pas comme ça, hein, j'ai juré. Troisième tour sur 17. J'ai le temps. Regardez qui est comme youtubeur. Comme youtubeur F1 Manuel Ferrara. Oui, entre autres. Il a vraiment fait une YouTube, hein, si jamais. Regardez qui est comme youtubeur F1 quasiment aucun. Pour moi. Perso, en ce moment, c'est Arava. Parce qu'il a des courses, elles sont tellement marrantes. Grand Prix de Hongrie, j'ai jamais vu un Grand Prix aussi what the fuck que ça. Je vous conseille tous d'aller le voir. Genre vraiment. Mais sinon, je suis abonné à Depielo et Hydro comme youtubeur français, F1. Et Maxou Pilote. Poulet Pelch. Marduk et Depielo. Tiamat Marduk, je le regarde pas. Je suis abonné, je crois, mais je le regarde pas. Oh, je crois que le seul où je regarde vraiment, c'est Limitless. Emotion et Giovinazzi. Bah, je regarde pas. Bizarrement, je regarde pas ces vidéos F1 à Maxou en fait. C'est trop long d'abord. Une heure, je peux pas. Va falloir tenter de le dépasser au prochain tour, Gasly, ce serait cool. Parce qu'on a Fernand là qui nous rattrape. Fernand. Fernand. Ouais.
Ouais. Ça fait littéralement 5 mois que j'attends le retour des skins sur Fortnite. J'en peux plus, putain. Au chaud. Forte changement de vitesse. Ah, c'est la boulette. Quel petit signe du jury, il va perdre de la puissance. Mais frère, putain. Mais votre application merde là. Bah voilà, je peux plus aller regarder mes comptes. Putain, je l'ai. C'est normal, Kevin. What? Ah. Tu réponds que maintenant? Ça ouais, bah, j'étais un peu en type concentration sur ce que j'allais faire sur Gasly. Par contre, le jeu freeze, il me brise les couilles. Demain tu live, oui. Et c'est un oui. Ah ouais, 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 ouais. C'est un live. Putain, j'ai freiné au milieu. Comme un bâtard. Ta mère là, crédit agricole de merde. Putain, vous foutez la haine. Le sale chien. Application de carton. Allez, encore un tour. On a économisé assez de RS pour le mettre en supérieur durant tout le tour, donc ça devrait passer si on ne fait pas d'erreur. Et on a un point à la clé là, sur Hockenheim, sachant qu'on est parti 19ème, je pense que c'est un bon résultat, je sais pas ce que vous en pensez. It's not so bad, et Gasly n'a pas le DRS. Donc du coup on aura mangé la politesse à Gasly, et Alonso va manger la politesse à Gasly aussi. Vraiment, c'est triste, Gasly. Dernier tour, c'est le dernier tour, allez Mason. C'est ça. Sébastien Vettel qui aura réussi ce qu'il n'a pas réussi IRL, c'est-à-dire gagner le Grand Prix de Belgique, d'Allemagne, de Deutsche Qualität. Et bienvenue à Winter. Winter. Allez, dernier virage du stadium. Franchement, niveau usure des pneus, on aura géré aussi. Et c'est une 10ème place à Hockenheim. Ça, c'est bien. Et j'ai été excellente, j'ai piloté comme une chef. Oui. Piloté comme une chef. Con quand même. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. Arrivé à Bene est content. T'as piloté comme une chef. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce titre, mon cher Nicolas Martin. Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi comme à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. C'est clair. Ils ont tiré le maximum de leur place comme une Jeff. Optimiser leur stratégie et éviter les ennuis. Ouais, mais Jeff.
Je me suis réveillé juste pour voir ce résultat. J'ai les dit voilà qui bonne montent nuit, sur le Tib. Podium et Merci. Sur le circuit de la planète, les drapeaux flanqués du On a trop cheval dormi. Cabré sont légion dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie car c'est Ferrari qui s'impose une nouvelle fois. Et Ricardo, deuxième. Il aura volé la politesse à. À Hamilton. Ah, j'allais dire Hamilton. Hamilton d'Arba. Et Daniel Ricciard Sodo qui est content. 1000 km/h. Hein. C'est vrai. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat vient de se réduire après cette course particulièrement. Et Vettel difficile. Qui revient à moins si d'une victoire le pilote du de jour, Lewis. Lequel choisiriez-vous, Nicolas Martin ? Pour moi, c'est Masson. Yes ! C'est moi le pilote du jour, y'a quoi ? Ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Y'a quoi ? Dab ! Le leader du championnat c'est la première fois, attends, c'est bien. Après une grosse baisse de régime ce week-end. Merci d'avoir été oh, et Ferrari, comment ils ont rattrapé Mercedes au constructeur, c'est sérieux. À très vite. Et, Red Bull qui est dans un no man's land, c'est marrant ça aussi. Ça fait plaisir. Je peux pas dormir, j'ai de l'orage. Ben reste avec nous alors du coup. Je vais juste regarder un truc. Est-ce que tu aurais la phobie de l'orage, par hasard ? Est-ce que tu aurais la phobie du sexe ? Hein ? Allô ? Quoi ? Bonjour. Tu sais quoi ? Je vais faire comme à Silverstone, je vais récupérer le replay, donc on va se mater le replay, les gars. Si vous avez des questions ou quoi, moi, je pourrais regarder le live, c'est bien. Le chat. Chatbox, on va l'enlever pour que ce soit propre. Et voir le ralenti. Le ralenti. Belle journée. Ah, Claire. Ah, yes. Pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie ? J'ai tiré parti de la souplesse de la voiture souple, légère. L'aérodynamisme. Ah, oh, putain, mon cœur bug. Putain, mon casque. On dirait bien, mais tout le monde a droit à l'erreur. MDR. Ça coûte combien un sèche baquet? Le mien, je l'ai payé. 200, je crois. Mais ouais, pour les entrées de gamme, tu comptes 200 euros. Coûte très très dur. Allez, Brandon Hartley, on lui marque 2 points dans la gueule. Dans le Et cul. Leclerc aussi. C'est bien ça. Sponsor. Ah, ouais. On va rester sur ma chaise. As, Renault, Mercedes, Aston Martin, Red Bull, Force India qui ont pas kiffé, Ferrari aussi, bon, ok. Ils ont pas kiffé ta performance, ils ont fait. Ouais, c'est ça. Ultime. Ils ont pas kiffé. Beau travail. Ah bah y'a voilà que des merdes de qui ont kiffé. Qui m'intéresse. Continuez comme ça. Oui, bah tout intéresse surtout ma. Allô. Bref. Ouais, est-ce ouais, qu'on ouais, pourrait bref. Pas prendre de l'air et des. Non. Bon bah ce sera tout pour l'épisode YouTube, du coup bisous et nous on continue en live.